J'espère que vous allez bien et que vous avez de la forme. Bon, une nouvelle vidéo remplie de motivation, remplie de énergie. Par contre, oui, je sais très bien que je fais des vidéos rarement occasionnelles, mais voilà, la relpe. Donc, comme je vous dis, c'est que je fais des vidéos quand je peux. Parce que derrière les vidéos, j'ai un travail, j'ai ma routine. Qui me laisse pas tout faire en même temps. Mais là, c'est le Ramadan. Vient le sujet. Et oui, on est presque une semaine et demie, c'est ça. Mais bon, une semaine et demie et j'ai pas encore lancé une vidéo, une seule vidéo sur ma chaîne. C'est une catastrophe, mais bon, il y a une raison. Comme vous voyez de ma voix, je suis encore malade. Donc, ma famille, j'espère que vous allez m'excuser. Mais bon, le sujet de ce Ramadan-là, donc, est-il possible de construire la masse musculaire pendant le Ramadan? Si tu veux construire ta masse musculaire pendant ce moment-là, je crois pas. Je crois pas du tout. Oui, je crois pas du tout. Donc, franchement, c'est pas le moment que tu peux construire ta masse musculaire. Parce que vraiment, il y a des gens qui sont là à 11 mois. Il y a 11 mois dans l'année. Enfin, 12 mois, à part celui du Ramadan. 11 mois. Pendant 11 mois, tu penses pas à ta masse musculaire. Tu t'entraînes. Tu manges du n'importe quoi. Mais quand tu arrives au Ramadan, bah là, tu commences à réfléchir. Bah, comment je vais manger? Comment je vais m'entraîner? Bah, comment je vais faire? Ça marche pas comme ça. Oh! Excusez-moi, ça marche pas du tout comme ça. Après, il y en a qui s'entraînent et qui s'entraînent très bien. Ça, je dis pas contraire. Ils vont s'entraîner toute l'année, très bien. Manger propre. Et quand ils vont arriver au Ramadan, ils ont un programme. Là, ils sont déterminés, ces gens-là. Ces gens-là, ils sont bien, 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 bien déterminés. Là, je suis d'accord avec ces gens-là, moi. Mais bon, la famille, pendant ce mois sacré du Ramadan, il faut vraiment se concentrer pour sa religion et oublier un peu la masse musculaire ou les fibres ou les glucides ou les lipides ou je sais pas quoi. Mais quand le Ramadan il se termine et finit, bah là, t'as le droit de attaquer la masse musculaire, t'as le droit de attaquer tout ce que tu veux, poto. Mais pendant le Ramadan, je te conseille de te concentrer sur ta religion. Et pendant le Ramadan, c'est le moment idéal où tu peux arrêter si tu fumais, si tu buvais de l'alcool, si tu mangeais n'importe quoi. Et oui, durant le Ramadan, tu peux réfléchir pour changer, bien sûr, ta vie. D'après toi, pourquoi? Moi, je pense que c'est un ordre du Dieu. Voilà. Donc, tout simplement, c'est simple et c'est précis. Voilà, donc je vous ai un peu expliqué pendant le Ramadan qu'est-ce que vous, comment gérer les choses, quoi. Et maintenant, je vais vous montrer comment je m'entraîne. Voilà la famille, moi, personnellement. Donc, j'ai acheté des haltères et des élastiques. Voilà mon matos. J'ai préparé tout mon matos comme ça. Je vais tout déchirer pendant le Ramadan. Sauf que pendant le Ramadan, tu peux rencontrer des galères, bien sûr. C'est des galères de la vie. Tu peux tomber malade comme je suis tombé malade. Mais bon, on va pas se démotiver, on va rester motivé, on va avoir toujours de l'énergie pour vous envoyer ça. Comme ça, vous aussi vous êtes motivé et comme ça, vous perdez pas la confiance en vous et comme ça, vous allez tout déchirer. Comme ça, vous n'allez pas finir comme ça. Durant le Ramadan, faut pas manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous pouvez, c'est une autre chose. Si votre estomac demande de la nourriture, c'est une autre chose. Mais si vous mangez beaucoup, je déconseille. Voilà. Et après, celle-là, c'est une de mes séances que vous voyez là. Je veux poster juste une petite vidéo. Et déjà, comme ça, je m'entraîne, comme vous voyez. Généralement, comment ça se passe? Donc, quand je suis au travail, vu que je travaille le soir, je prends mon tour là-bas au travail. Après avoir fini le travail, je rentre chez moi.
je prends mon pré-training et là, j'attaque ma séance. Quand je finis, je prends mon post-training. C'est normal, je fais comme s'il n'y a pas de ramadan. Et comme je vous ai dit, la famille, c'est juste pour que je ne perde pas ma motivation. Sinon, tu ne construis pas ta masse musculaire pendant le ramadan. C'est juste pour garder la ligne que j'avais avant le ramadan. Comme ça, je ne la perds pas une fois le ramadan est terminé. Bon, voilà, comme je vous ai dit, j'ai acheté des haltères, j'ai acheté des élastiques pour faire mes séances et je vous ai montré comment je fais mes séances. Maintenant, la famille, je vous montre comment je mange. C'est simple, comme ce que je mangeais avant le ramadan. Donc, je mangeais propre, je reste propre, voilà. C'est des repas, voilà, qui contiennent de glucides, des lipides et la protéine. Voilà, comme vous voyez, c'est heureusement je poste des stories comme ça ils sont restés. Et voilà, donc et mon Instagram il est juste là, voilà. Donc pour voir ces stories là que je poste maintenant sur YouTube, c'est facile. Vous abonnez sur ce Instagram qui est là et vous allez me trouver juste là-bas. Ouais. Parce que je suis actif, plus actif là-bas que sur YouTube. Et bien sûr, la famille, pendant le week-end, j'ai gardé mes cheat meals, bien sûr, oui. Pendant le ramadan, je faisais des cheat meals. Enfin, avant le ramadan, je faisais des cheat meals. Même maintenant, je fais des cheat meals. Donc, même pendant le ramadan, j'ai gardé mes cheat meals. Voilà, comme vous voyez, pendant le week-end, je me fais plaisir. Je donne à mon estomac. C'est soit le mercredi soir et le week-end. Voilà, donc 3 jours. Pendant la semaine, je donne à mon corps. Je lui fais plaisir. Voilà. Donc voilà la famille, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment le ramadan il se passe et comment vous devrez gérer un peu le ramadan. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné des conseils et je vous ai donné quelque chose que elle va vous aider peut-être. Et on se dit à la prochaine. Avec une nouvelle vidéo de la motivation, de l'énergie que je vais vous partager. Et peace la famille, à la prochaine.